Bon, salut à tous, on est avec Donovan de la team BCP du coup. Hein. On vient de gagner le tournoi, 103 personnes à Fréjus, Régio. Donc voilà, t'as joué quoi aujourd'hui? Soir sous le tennis du coup. Soir sous le tennis, bon, on va voir pour la déclise du coup. Voilà, du coup, jouer 3 Ecclésias. Ouais, vas-y. Et la seule carte passe en sous le deck. 3 moyens, 3 long guns. C'est pour maximiser le nombre de soir sous de taille. Après du coup, pour le tennis, jouer 3 Vishuda pour augmenter le nombre de wear, mais le nombre de cartes en gros second du coup. Parce qu'il fait tous les autres tennis et il permet de faire les coups avec un autre tennis. Par peut-être un petit peu plus fort. Deux Adara parce que pas besoin d'en jouer plus en fait. J'étais déjà à 42 donc c'était compliqué de mettre plus. Ouais. Un Shtana pour Evening Dragon Circle du coup qui est dans les magies. La nouvelle tech card, ouais. Donc, ça, et Protoss parce que il est tout simple. Protoss Pratos. 3 H, 3 Veiler, 3 Perm. Ça t'a kiffé les N-Trap aujourd'hui? Bah c'est les N-Trap qui tapent sur sans foule. Et qui tape tribri, c'est ce que j'ai joué principalement, donc c'était bon. Voyez magie, et du coup vous pouvez un sommet, 3 émergences, et 2 black-out pour les cartes sans soul. Ouais. Pour les cartes comme vous pouvez 2 événements Dragon Circle avec Shtana du coup. T'en as pensé quoi de cette carte? Si elle est trop forte, ça évite de prendre un perm. Et même ouais. Soit des clés bizarres où est-ce que tu starts juste avec un CD, ça te donne quand même accès à Moyé ou à Taya et ça t'amène à cette clé. T'as une situation particulière à dire par rapport à cette carte, ça fait gagner le match? Bah, à la deuxième effet en gros quand tu tributes à un monstre sans effet, tu peux spé un monstre depuis le deck, il n'a pas l'effet mais juste il peut taper en fait. Et en gros en Battle Phase, genre le mec qui peut rester 1800, je tribute un monstre, je fais un Taya, ça tape, ça gagne en fait. Okay. Ah, et cool. Dans le cimetière aussi, il faut pas oublier, genre, si tu contrôles un monstre sans effet, tu peux la bannir, tu peux un tennis, ça fait du play, ça fait des plays pour le tour d'après, après l'avoir utilisé. Ce okay. Et ça outmine aussi. Hein. Ouais, c'est vrai que du coup. Ça outmine du coup. Ouais. 3 Desire parce que. Meilleure carte du jeu. Hein. Meilleure carte du jeu, on a 42. Et Order parce que carte de voleur. En gros, tu joues que Imperm, Order et Blackout en piège. C'est ça. Okay. Pour l'extra, il faut être 3 monks. Parce que le 3ème, il a souvent, à partir du T2, T3, quand on a commencé à faire des combos à base de Shaman et de Dracomaster. Tu l'as invoqué souvent le 3ème? Ouais, souvent. Shaman, Dracomaster. Alors, Shaman, c'est que j'ai moins utilisé. Parce que la restricte des tennis, c'est pas ouais. Pratique des fois. Lui, par contre, il est grave. Tu l'as utilisé lui? Ouais, ouais, genre en fait, quand le mec il a un board machin, t'arrives à passer les négates, juste tu fais du tennis, tu fais lui, tu rases 3, c'est. Ouais, du coup, ouais. Un Yazi, il sort jamais, il sort vraiment principalement que contre le match PC pour éviter de prendre. Ouais, ou les MP aussi. Ouais, voilà, pour les decks MP. De Baxia, presque la deuxième meilleure carte de l'extra deck après Xiao, hein, je pense. Nantaya, ça résout lui, ça envoie Moyé, ça renvoie 2 dans le deck de l'adversaire, ça rebond Moyé, ça fait encore un sacro 8 après. De Xiao, bah, parce que c'est la meilleure carte d'extra deck du coup. Draco Berserker pour la restrict avec Shaman et parce qu'il est weird. Des létales. Chao Feng pour les combos avec Ashuna plus n'importe quel autre Penny. En gros, ça fait ça avant de prendre Nib, ça les fait sur Soul. Bon, si ça passe, on peut que prendre Nib, ça peut que prendre Gamma, Veiler. Dragit en synchro 8 parce qu'il y a une, alors, il y a des plays avec supposé de match par exemple, on peut le faire si on avait venu Dragon Circle. Et ça dégage une magie, c'est pas. Ouais. Un Shining pour sur Soul. On va bien expliquer une baronne. Et pour le side, 3 nibs pour les decks combo, 3 mirror, c'est pas mal. 3 drôles pour. Merde. Ah, pour Invoke, principalement, il y avait pas mal d'Invoke Dogma récemment. Ouais, puis il reste toujours des Drytrons qui se baladent et tout. Hein. 2 Lightning Storm, 3 Cosmic Cyclone pour les anti-macro, Red Reboot, meilleure carte du side, ça fait gagner la finale. Et 3 jugements pour le gars. Un draw Red Reboot. Ouais. Ok, t'aurais des trucs à changer dans la liste ou pas? Là non, actuellement non. Je pense en réfléchissant un peu pour Utrecht peut-être la bouger, mais là actuellement non. Là du coup si tu devrais repartir sur une sur un tournoi, tu repartirais sur Sword Soul ou pas? Ouais, je partirais sur Sword Soul. Ouais. Ok, ok, ok. Bon, nickel, des shout-out, des trucs comme ça. Shout-out à la BCP, ah ouais. Tout qui était là, la Shinka, tout ça. Eh ouais, ok, ok. Bah, bien joué encore pour la première place. Hein.